Mes jours étaient comptés, ma vie en proie au péché. Oppressé, je désirais m'en sortir, mais sans jamais y arriver. Ce monde m'apportait aucune solution, aucune joie. Alors je compris bien que tout n'était que vanité. Alors merci pour ta grâce, sans laquelle je serais perdu, cherchant à acquérir mon salut, finissant courbé et abattu. Mon Jésus, je te loue pour ton immense amour. Toujours je dirai tes bontés, car tu m'as sauvé. Je t'exprime ma louange à toi, mon divin sauveur, à la croix ton sang coulait pour moi. Racheté, je reviens à toi, à tes pieds je m'incline, reconnaissant mes méfaits. Et je ne cesserai de te remercier, car tu m'as donné cette précieuse grâce, sans laquelle je serais perdu, cherchant à acquérir mon salut, finissant courbé et abattu. Mon Jésus, je te loue pour ton immense. Toujours je dirai tes bontés, car tu m'as sauvé. Toujours sur ta figure, tu as mépris.
La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop dure pour entendre. Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'expérience du peuple d'Israël face au peuple assyrien? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est avec plaisir que je vous retrouve en compagnie de Patrick et de Marvin. Bienvenue à vous deux. Merci. Et donc, nous poursuivons l'étude du livre d'Ésaïe. Et pour cela, je vous invite particulièrement à lire les chapitres 36, 37 et 38 afin de suivre pleinement les échanges que nous aurons. Alors, c'est vrai que nous allons parler certes de la défaite assyrienne au cours de ces chapitres, mais avant, est-ce qu'on peut rappeler succinctement le contexte géopolitique, puisqu'il est question du roi de Juda, du roi d'Assyrie, pour un peu que les auditeurs ou les internautes qui nous regardent en tout cas puissent avoir une idée
du contexte. Alors, on est dans un contexte où il y a des alliances qui sont en train d'être forgées. Alors, c'est assez particulier parce qu'on a un peuple qui est le peuple de Dieu, qui a vécu une situation particulière parce qu'il y a le royaume du Nord, il y a le royaume du Sud, il y a Juda. Et contrairement à ce qu'on pourrait espérer d'un peuple de Dieu, on n'a pas toujours eu cette confiance qui consiste à s'appuyer sur ses paroles. Et il y a un jeu d'alliance qui se fait pour essayer de protéger. Il y a un empire qui est l'empire assyrien qui domine la région. Et puis d'autres nations avec qui on essaie de traiter, comme l'Égypte. Et Juda se retrouve donc dans un petit peu ce triangle-là, en essayant de s'en sortir. Elle se fait attaquer par cet empire. Et justement, toute l'étude de cette semaine tourne autour de ce rapport de force-là et de la manière dont le peuple va se positionner à travers les décisions de son roi, d'Ézéchias notamment, et de savoir comment est-ce que la parole de Dieu va les amener à prendre une orientation, soit de confiance ou en eux-mêmes, ou alors dans la promesse que Dieu va déclarer à travers notamment les paroles d'Ésaïe le prophète. Alors, merci Patrick. Alors, c'est vrai que nous nous retrouvons au royaume du Sud, on va dire. Donc, c'est Juda, au sein de Juda, avec comme roi Ézéchias, qui succède déjà à son père qui est dit infidèle. Et Ézéchias, lui, il change de voie, il veut vraiment se tourner vers Dieu, il rassemble le peuple dans cette direction. Et c'est vrai que tu rappelles qu'il est tiraillé par ce peuple assyrien qui veut prendre le dessus et donc même conquérir Jérusalem, dite la capitale. Et donc c'est vrai que dans ce rapport de force où le peuple veut assiéger carrément Jérusalem, quelle est la réaction du roi de Juda, qui est Ézéchias? Est-ce qu'on a des éléments de réponse dessus? Déjà, lorsque nous sortons d'Ésaïe 36 et nous allons dans 2 Chroniques, chapitre 32, on se rend compte qu'il y a un roi qui se prépare à la bataille, puisque... Tu parles du roi Ézéchias. Je parle du roi Ézéchias. Mm-hmm. Toutes les villes fortes de Juda ont été prises, c'est ce que dit Ésaïe 36, et le roi s'apprête à assiéger Jérusalem. Donc il y a une préparation sur le terrain du roi Ézéchias, mais en plus de cette préparation, il y a cette quête du soutien de Dieu, mm-hmm. parce que Ézéchias s'en rend bien compte que l'ennemi qui est face à lui a déjà envahi la quasi-totalité du pays et a de fortes chances de conquérir Jérusalem. Il fait des préparations, il fait en sorte de renforcer la muraille. Justement, qu'est-ce qu'il fait, oui. Il fait en sorte de renforcer la muraille, il fait en sorte de boucher des cours d'eau de manière à ce que si jamais la ville est assiégée et prise, que le roi d'Assyrie ne se retrouve pas à reconstruire finalement. Donc il est dans une gestion militaire pour pouvoir se préserver et puis assurer l'avenir. Et puis il y a cette gestion spirituelle parce qu'il se rend bien compte qu'il est face à un ennemi qui aujourd'hui non seulement est beaucoup plus fort que lui, mais qui va le mettre au défi et qui va chercher à le ridiculiser. Mais par rapport à toute cette stratégie qu'Ézéchias, que le roi Ézéchias met en place, pourquoi mettre autant de moyens, déployer une telle stratégie si en somme c'est lui, ce roi-là, qui a fait un retour vers Dieu, contrairement à son père? Donc il fonde pleinement sa confiance en Dieu. Alors pourquoi déployer tant de moyens si ma foi, j'ai une foi certaine que Dieu est au contrôle? Peut-être au risque de surprendre, je dirais que le problème n'est pas tant de déployer des moyens, parce que n'oubliez pas que le peuple de Dieu avait aussi une armée. Il y avait une dimension militaire à la démarche du peuple de Dieu. Ils ont eu l'occasion d'aller à la bataille. De nombreux textes de l'Ancien Testament en attestent. Le problème n'était pas tant le déploiement militaire, à mon sens, mais plutôt de savoir est-ce que ça correspondait à la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu m'envoyait à la bataille de cette manière-là? Et comme je disais en introduction, on est dans un contexte, il faut peut-être voir la chose de manière globale. Le roi précédent, Akaz, on connaît un petit peu malheureusement les mauvaises directions qu'il a prises. Et Ézéchias qui semble aller dans une meilleure direction, lorsqu'il déploie tout cela, c'est pas tellement là le problème, parce qu'on peut avoir la foi et puis en même temps mettre en œuvre si c'est la volonté de Dieu.
Mais il y a parfois, et quand on analyse bien ce qu'il fait, il profite de l'occasion pour se rebeller contre la Syrie. Mais on se rappelle bien que Judas avait cherché un moment à acheter un petit peu la paix. Mm-hmm. Et tout ça, c'est une sorte de retour de bâton. Donc, quand il fait ses préparatifs, on n'a pas le droit, je pense, de le juger en disant voilà, il n'aurait pas dû faire cela, puisque une démarche militaire peut être parfaitement légitime. Seulement, la question, c'est est-ce que ça correspond à la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans une démarche où je compte sur Dieu et que Dieu me dirige dans les actions que je mène? Mais c'est là la difficulté, Patrick, excuse-moi de le dire, par rapport au fait où il met en place toute une stratégie, qu'elle soit militaire, stratège ou quelle que soit. Je ramène ça à nous, dans nos vies aujourd'hui. On peut dire qu'on donne un petit coup de pouce à Dieu ou on laisse Dieu agir. C'est comment faire le distinguo? À quel moment on se dit, bon, j'ai ma part à faire, ou à quel moment je dis non, là c'est la part de Dieu, c'est à lui de faire. C'est là où justement cette question-là est fondamentale, à la fois pour Ézéchias, puisque à un moment il a quand même le bon réflexe de consulter le prophète Ésaïe, de se tourner vers Dieu. Et nous aujourd'hui, parce que l'intérêt aussi pour nous c'est de partir de cette histoire-là et de voir quel prolongement on peut lui donner dans notre expérience aujourd'hui. Et je crois justement qu'à un moment, quand je suis dans cette communion et cette communication avec Dieu, je dois pouvoir discerner sa voix. Et Dieu peut me dire, lève-toi et puis va là et fais telle chose. Dans la Bible, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des exemples. Je crois que c'est grâce à l'Esprit de Dieu que David se lève, qu'il va, qu'il prend sa fronde et les cailloux et qu'il va affronter ce géant. Il aurait pu dire, mais je reste là et puis je regarde Dieu le terrasser. Donc Dieu parfois nous utilise selon les voies qu'il décide d'employer. Donc pour moi aujourd'hui, je dois être à l'écoute de Dieu. Je ne peux pas me nourrir de cette pensée qui consiste à dire Dieu m'a fait suffisamment intelligent, je saurai me débrouiller tout seul. Et puis je mets Dieu de côté, d'accord, je le fais passer à la trappe et puis je compte sur mes propres moyens, mes propres forces, ma propre intelligence. Ça c'est la recette parfaite pour échouer. Par contre, la vraie foi, la foi éclairée, c'est celle qui consiste à dire je remets tout entre les mains de Dieu et je me laisse guider par son esprit. Et si son esprit me dit reste là silencieusement et regarde ma main agir, je le ferai. S'il me dit lève-toi et puis agis de telle ou telle manière, je serai un instrument entre les mains de Dieu. C'est là toute la difficulté, Marvin, je te donne la parole, mais c'est là toute la difficulté de notre vie pratique, c'est comment discerner quand Dieu dit vas-y, lève-toi ou tiens, attends. Ce ne sera pas forcément toujours une voix audible. Hein, non, mais c'est pour ça que je le dis exprès. C'est très important comment, de garder cette voix-là. Dans mon contact avec Dieu, dans la prière, c'est toujours une relation à double sens. Il ne faut pas oublier que je ne parle pas simplement à Dieu, j'entends aussi sa réponse, pas forcément, comme j'ai dit, de manière audible, mais à travers la parole de Dieu, à travers ma conscience, Dieu va me parler, il va me guider, j'aurai des choix à faire. Et c'est arrivé, plusieurs pourront en témoigner, que dans cette communion que je nourris avec Dieu, Dieu me parle et il m'amène cette conviction profonde que je n'ai pas besoin de m'agiter, qu'il est en train déjà d'agir. Et je vois la main de Dieu à l'œuvre. D'accord ? Donc si Dieu choisit de procéder ainsi, ainsi soit-il. Donc je crois plutôt que de chercher à voir si Dieu va se révéler à travers un rêve, un songe, ce qu'il peut faire d'ailleurs, je dois m'assurer d'abord d'être dans cette communion-là, d'avoir ce canal de communication avec Dieu pour que je puisse discerner sa voix VOX et sa voix VOE également. C'est-à-dire dans quelle direction il veut que j'aille. Et ça, c'est une question communion de relation. Voilà. Alors, j'aimerais apporter deux éléments. Lorsque nous allons au verset 21 du chapitre 36, voici ce qui est dit. « Mais ils se turent et ne répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre, vous ne leur répondrez pas. » Ici, le roi aurait pu mettre en avant ce qu'il avait mis en place pour pouvoir préserver Jérusalem de l'invasion. Non, le roi leur demande de se taire. De ne pas polémiquer, parce que ce qui avait été apporté comme élément pour justifier finalement que tout ce qu'il aurait pu faire comme alliance, comme préparatif était vain, il n'avait pas besoin d'épiloguer dessus. Et puis, le verset 37 va montrer Ézéchias qui va rechercher, va s'appuyer sur les promesses de Dieu, puisque l'Éternel, dans les messages qu'il a pu envoyer à son peuple au travers des prophètes, et notamment le prophète Ésaïe, qu'il y a toujours un reste qui subsistera, un reste qui reviendra. Ésaïe va, par exemple, dire au verset 4 du chapitre 37, « Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie son maître a envoyé pour insulter le Dieu vivant, et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste
qui subsiste encore. Une pause pour que ceux qui nous regardent puissent suivre. C'est vrai que tu as fait un bond en avant dans le sens où là, on était au roi Ézéchias qui faisait tout hein, pour fortifier sa ville, pour tout mettre en œuvre face à ce peuple, cette armée assyrienne qui y aurait assiégé. Mais il y a une stratégie du roi même d'Assyrie pour envoyer un haut fonctionnaire. C'est là. Et là, c'est là que tu fais référence au haut fonctionnaire qui décrit Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il dit au juste qu'est-ce qui fait qu'il aurait pu déstabiliser le peuple? Alors, il est en train de dire dans le chapitre 36 que sur qui vous appuyez-vous, en qui mettez-vous votre confiance? Vous mettez votre confiance sur le roi d'Égypte, sur vos os cassés qui peuvent vous blesser? Mais ne lui faites pas confiance. Si vous voulez du matériel pour vous défendre, faites alliance avec nous vous donnons des chevaux. Ils avaient raison. Quel Dieu va vous protéger? Le Dieu que vous servez, mais les dieux des autres peuples n'ont pas été en mesure de les protéger. Qu'est-ce qui vous dit que votre Dieu va vous protéger? Quand il dit ça, il a raison parce que déjà les dieux des autres peuples n'ont pas été en mesure et Dieu, plusieurs villes fortes de Juda ont succombé. Ça veut dire qu'effectivement, finalement, Dieu ne vous protège pas puisque j'ai été en mesure déjà de conquérir une grande partie du pays. Ensuite, il va leur dire, oui, mais ne suis-je pas l'instrument que Dieu a choisi pour pouvoir vous châtier? Oh, ça m'interpelle ce que tu dis. Est-ce qu'on peut faire un comparatif, ça me rappelle, avec la tentation de Jésus dans le désert, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre ce haut fonctionnaire et puis ce que Jésus a vécu? Quelque part, je pense que ce serait pas faire injure au texte, parce qu'en fait, quand on regarde bien, la subtilité est telle que on est admiratif quelque part devant l'expertise avec laquelle il essaie de manipuler et d'instrumentaliser le peuple. Le haut gradé qui est envoyé avec une puissante armée vient avec tous les arguments. Comme Marvin disait, en fait, son raisonnement tient. Quand on analyse bien, on se dit, voilà, écoutez, j'ai déjà conquis tel ou tel pays, ils n'ont pas fait long feu devant moi. En fait, même Juda, j'ai déjà... voilà, il revient de la chiche, d'accord? Donc là, il a des arguments pour pouvoir dire, effectivement, ce qu'il dit n'est pas vrai. N'allons pas nous faire ridiculiser, voilà. Et c'est une demande de reddition, en fait. Il demande la reddition du peuple. Soyez intelligents, écoutez, voilà. On vous a montré nos arguments, vous faites pas le poids. Et c'est là où je dis que il y a de la subtilité parce que dans la tentation du Christ dans le désert, eh bien le raisonnement, le diable cite la Bible. C'est quand même extraordinaire. Il cite le texte biblique en présentant les choses d'une certaine manière, avec l'idée de manipulation derrière. Donc, quelle résonance pour nous aujourd'hui? Alors justement, il faut qu'on soit très sensible à la manière dont le diable se présente et il veut parfois nous amener sur une pente glissante, en commençant parfois par présenter quelque chose qui peut sembler être la vérité. Quand il va me dire à moi, eh bien, tu es un pécheur, tu vois, tu as demandé pardon hier, et aujourd'hui encore tu fais ça, donc finalement laisse tomber, viens de mon côté finalement, et puis pêche joyeusement, ça ira, tu seras plus à l'aise dans ta tête. En fait, on peut avoir un raisonnement, un sophisme, en fait, ça paraît vrai, mais c'est une absurdité, et c'est là où je crois que le contact avec Dieu et la révélation divine sont clés. Et dans le passage en question, quand la rencontre se fait entre les deux délégations sur le chemin du champ du foulon, d'ailleurs une parenthèse, c'est intéressant que je réalise que c'est au même endroit que précédemment, au chapitre 7, me semble-t-il, qu'il y avait eu à ce même endroit, la rencontre où Esaïe va, et puis il va dire au roi, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme point, ces deux bouts de tison fumant, j'en saurai. C'est au même endroit. Alors c'est peut-être révélateur que c'est ce même endroit-là, sur le chemin du champ du foulon, qu'il y ait cette confrontation-là entre la parole d'espérance, la parole de victoire, et puis le semblant de vérité qui peut amener sur la pente descendante. Donc deux choses. Et aux yeux de tous, puisque tous entendaient. Bien sûr, et c'est très 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 subtil la manière dont il va agir. Et on a l'impression que c'est presque hollywoodien le scénario ici, mais venir là et puis dire, mes amis, laissez tomber, comme le diable qui peut nous dire, écoute, ça fait 3 ans que tu essaies de te débarrasser de ce problème-là. Aujourd'hui, je peux donner raison au diable en disant, eh bien, finalement, laissons tomber. Mais je peux peut-être, comme jadis Ézéchias a entendu la voix d'Ésaïe, je peux aujourd'hui entendre la parole d'Ésaïe a posteriori, ou je peux entendre la voix de Dieu qui me parle, qui parle à ma conscience et qui me dit, reste sur le chemin où je t'ai placé.
tu es dans une trajectoire, la victoire est au bout du chemin. Là, c'est facile à dire quand on sait qu'il y a une victoire au bout. Oui. Mais quand là, dans une situation que l'on vit, quelle que soit notre situation de vie, et tout semble être hors de contrôle, où là, c'est le coup ultime, j'ai envie de dire, que ce haut fonctionnaire, c'est comme si c'est une évidence de la situation qu'il met aux yeux du peuple. Regardez votre état, vous avez mieux à faire, du moins, votre délivrance est en moi. Alors peut-être dans notre vie aussi, quel que soit ce que l'on peut traverser, pour nous, il peut ne pas avoir d'issue. Alors quelle attitude, je fais la distinction entre comment se trouve le peuple d'Israël à ce moment-là et la vie de certaines personnes qui nous regardent ou la nôtre, où on a tout essayé, on a essayé de mettre toutes les stratégies, ça ne marche pas. De sur quoi, d'autres personnes viennent nous dire que ce n'est même pas la peine, ces stratégies-là qu'on vient de mettre en place, qu'on n'a qu'à laisser tomber. Alors, quel repli avoir, quelle attitude? Ben, c'est ce que je disais, c'est là où s'appuyer sur les promesses de Dieu. Patrick disait, apprendre à vivre avec Dieu, avoir une relation avec lui, mais apprendre à s'appuyer sur ses promesses. Parce que le haut fonctionnaire, il a non seulement cherché à ébranler le roi, donc les représentants du roi, dans leurs convictions, mais il a aussi cherché à monter une émeute vis-à-vis du roi. Parce qu'il a parlé en langue hébraïque à ceux qui entendaient, leur disant « Non, mais ce roi vous emmène à votre perte, acceptez la reddition, vous mangerez, vous planterez des vignes, vous aurez une vie bien meilleure que celle que vous imaginez avoir si vous restez avec ce roi. » Mais c'est là où vient la foi, parce que tout était bouché. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut arriver des situations où on a tout essayé. Tout semble bouché. Et c'est pourquoi il disait, le roi s'appuie sur une promesse de l'Éternel de pouvoir faire revenir le reste, émerger ce reste du peuple. Bien qu'il sache que Dieu a châtié le peuple pour sa conduite. Mais puisque Dieu, tu dis qu'il y aura un reste, donc tu ne peux pas détruire la vie. La vie ne peut pas être détruite. Maintenant, c'est vrai qu'il ne va pas avec arrogance auprès de l'Éternel. Parce qu'il dit à Isaïe, implore ton Dieu pour savoir si finalement il ne va pas réaliser cette promesse qu'il a faite. Nous, aujourd'hui, nous retrouvons dans des situations où certainement il n'y a pas d'issue. Et croyant en Dieu, nous devons nous appuyer sur ses promesses. Vite dit, facile à dire, mais ça doit être une expérience véritable. Parce que ce n'est que par ce moyen que nous serons en mesure de voir des choses qui nous paraissent, finalement, que de voir des portes s'ouvrir auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Et c'est ce qui s'est passé. Justement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que finalement le peuple a accepté la voix de ce haut fonctionnaire à faire alliance, ou le Jérusalem était assiégé? Heureusement qu'Ézéchias a eu la présence d'esprit, la maturité spirituelle, pourrait-on dire, pour se tourner vers Dieu. Parce qu'il est question, au chapitre 37 notamment, du roi qui déchire ses vêtements, qui se couvre d'un sac, qui va dans la maison de l'Éternel. On est là dans une démarche spirituelle. Donc, il ne répond pas. Autant il avait fait ses préparatifs, il comprend très clairement l'ennemi qui est en face de lui a des arguments. Donc, il fait ce que toute personne devrait faire quand on réalise ses propres limites, et même sans avoir arrivé jusque-là, se tourner vers Dieu. Et il le fait dans la repentance, dans une démarche. Et il envoie cette délégation vers le prophète Ésaïe. Donc, se tourner vers Dieu pour savoir quelle est la révélation de Dieu, je pense que ce n'est pas simplement un élément historique, ce n'est pas un élément dans l'histoire. On se dit, tiens, mais il a fait ça à ce moment-là. Pour moi, c'est une source d'inspiration pour moi, parce qu'on parle concret. Tu disais, effectivement, on est dans la situation. Ce qui s'est passé là, pour moi, c'est déjà une partie de la réponse, pour moi aujourd'hui. Parce que si Dieu est intervenu, on va certainement détailler comment il est intervenu de manière miraculeuse pour pouvoir renverser la démarche de Sennacherib, mais c'est intéressant de voir comment il se tourne vers Dieu. Et moi, aujourd'hui, quand je lis cela, sachant que c'est pas juste de la littérature, c'est quand même un texte qui est placé là pour éclairer mon cheminement de chrétien aujourd'hui. Donc si le Dieu que je sers est intervenu pour Ézéchias et Juda pour que Jérusalem ne soit pas détruite, je me dis, aujourd'hui, il peut aussi le faire. Alors, bien entendu, et c'est là où je pense qu'il faut avoir la lucidité et la maturité spirituelle, ne pas conclure que toute expérience difficile
est synonyme d'abandon de Dieu. Ce n'est pas parce que je traverse une épreuve que je dois dire « ça y est, Dieu m'a abandonné ». Ça, c'est le syndrome de Job, où on voit le péché partout sous prétexte qu'on traverse une difficulté. Mais la démarche d'Ézéchias, qui rentre dans une introspection, qui prend le sac et la sonne, qui se tourne vers le prophète de l'Éternel, pour moi, est une indication qu'aujourd'hui, je peux me tourner vers Dieu et puis lui dire « écoute Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe ». C'est difficile, c'est compliqué, mais tu es le même Dieu qui a délivré ton peuple à cette époque et tu peux intervenir selon ta volonté, selon les voies que tu auras choisies, dans mon cas en particulier. Et je crois que c'est où, un petit peu dans le sens de ce que Marvin disait tout à l'heure, c'est où les promesses sont vraies ou elles ne sont pas vraies. Ah, okay. Donc, si on y croit, il faut placer toute sa confiance dans cette promesse et puis avancer selon cette parole. Alors, nous sommes contents de vous voir. Bon sabbat de l'Éternel. Comme brame le cerf, après les courants d'eau, je crie à toi. Je suppose que cela peut justifier notre présence dans ce lieu ce matin.
choisi du psaume 149. Louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Oui, amen. Qu'Israël, qu'Horeb se réjouissent en celui qui l'a créé, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Venez adorer ce Dieu créateur, venez célébrer son nom, sa grandeur. Partager l'amour du Sauveur ce matin. Amen. Nous allons l'exprimer donc en chanson, alors que les officiants se préparent à nous rejoindre. Oui, nous voulons proclamer que Christ est roi. Oui, nous voulons le dire. Commençons par chanter. Oui, nous voulons. Croyons qu'il peut tout changer. Oui, nous irons l'annoncer au monde entier. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Abba.
temps de le louer et cette envie de tout donner. Oui, nous voulons. Oui, nous voulons. Bonjour, chers frères et sœurs. Je veux croire que vous allez bien, n'est-ce pas? Amen. Il y a un texte dans la Bible que j'aime bien, de Philippiens 4, verset 13. Il est court, mais souvent, ce texte est cité hors de son contexte. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cela ne signifie pas que vous puissiez faire tout ce que vous décidez de faire juste parce que vous avez envie. L'apôtre Paul précise sa capacité à être toujours dans le contentement, quelles que soient ses circonstances, grâce à la puissance de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Je souhaiterais me dire ce matin à moi, Yolette, es-tu inquiet? À toi peut-être, Nicolas, es-tu inquiet? À vous tous, êtes-vous inquiet? Sommes-nous inquiets? Si oui, imitons la prière de l'apôtre Paul. Seigneur, je veux que mon contentement vienne de toi et non de mes circonstances. Montre-moi tous les jours que ton plan pour moi est parfait et que je n'ai pas à m'inquiéter. Bienvenue, chers frères et sœurs. Suivons notre maître, persévérons avec persévérance. Jésus revient bientôt. Bon sabbat. Je suivrai mon Seigneur et mon maître sans jamais m'éloigner de tes pas. Je suis vraiment Seigneur et
discerner pour la prière. Notre Dieu, notre Père, Père d'amour, compatissant, riche en bonté et en fidélité. Tes enfants, ce matin, le privilège est donné à tes enfants d'être dans ta maison et aussi par le biais du net pour t'adorer. Seigneur, que toute gloire soit à toi et à toi seul. Que ton nom soit honoré, exalté et élevé. Seigneur, puisses-tu bénir ton peuple. Que dans le sang de Jésus, tu puisses nous laver, nous sanctifier. Et que ton nom, Seigneur, soit toujours élevé au nom de Jésus, ton Fils, Jésus-Christ. Puisses-tu bénir, Seigneur, ceux qui sont sous le net. Et aussi les malades, Seigneur, donne-leur la guérison physique, morale et spirituelle. Aide-nous, Seigneur, à avancer, pas sans toi, mais avec toi. Bénis l'école du sabbat de ce matin à Horeb, et ton peuple dans le monde entier et à travers le net qui t'adore. Seigneur, cette adoration, Seigneur, n'est pas digne, parce que nous ne sommes pas dignes, mais au nom de Jésus, Seigneur, bénis, Seigneur, cette journée de sabbat que tu nous accordes. Que nous puissions, Seigneur, élever ton saint nom et que dans la joie, Seigneur, nous puissions vivre pleinement les délices de ton saint sabbat, guidés par ton Esprit Saint dans l'étude de ta parole. Et à l'issue, Seigneur, de cette journée de sabbat, que nous puissions dire à haute voix, nous avons rencontré notre Dieu. Fais de nous, Seigneur, tu fais de nous tes enfants, nous te disons merci. Bénis-nous abondamment, nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bon sabbat à tous. C'est une joie de vous voir ce matin, frères et sœurs. Nous passons aux 5 minutes qui va nous parler de discipulant ce matin. Chacun de nous ici en ce matin, nous devons être un disciple. Je pense en ton amen. Durant cette semaine passée, peut-être que nous avons failli à cette mission. Nous avons laissé des circonstances, des difficultés nous empêcher de parler de Dieu. Mais nous allons nous rattraper. Parce que Dieu, il a fait beaucoup de choses pour nous. Et si nous sommes là en ce matin, c'est grâce à lui. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer le discipulat. C'est un jeune homme que ses parents avaient envoyé vendre des fruits et légumes. Mais ce jeune homme boudait beaucoup parce qu'il ne voulait pas que les gens puissent le voir sur la voie publique. Mais son père lui avait donné un ordre. Va! Même en boudant, il est allé. Et vous savez, les passants qui passent le félicitent. Il a arrêté de bouder. Il commence à être content. Les gens achètent les fruits et légumes. Ah, il est content, hein, vous savez. La tirelire commence à augmenter. Bon, je n'étais pas content, on me félicite, on m'encourage. C'est très bien. Il est de même pour nous. Souvent, nous disons que nous ne savons pas parler. Moi, je le dis tout le temps. Mais figurez-vous qu'on trouve toujours le bon mot, la bonne phrase pour parler de Dieu. C'est pour cela, ce matin, Dieu nous appelle à faire de sa parole le centre de nos vies. Nous ne devons pas, passer de jour sans parler aux autres de tout ce que Dieu a fait pour nous, frères et sœurs. Vous avez vu comment le COVID a fait des ravages. Je ne vous apprends rien ce matin. Ce qui veut dire, moi je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas des gens qu'on aurait pu parler de Dieu et qu'on n'a pas fait? Et qui sont descendus dans la demeure du silence?
Je pense qu'aujourd'hui, franchement, nous devons être un disciple puissant, parce que Dieu, il est tout puissant. Nous devons parler aux gens de Dieu, même s'ils n'acceptent pas. La personne peut ne pas accepter tout de suite. Mais qui sait ce que ce verset, cette parole de réconfort va produire par la suite. Nous devons nous engager dans cette mission. Parce que l'école du sabbat, c'est le cœur de l'Église, ce qui veut dire que la parole de Dieu doit être prêchée. Chacun de nous, nous avons une mission. Tout le monde n'a pas la même force, la même puissance, mais tout le monde peut faire quelque chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous donner cette implication et que durant cette semaine qui va venir, nous ne puissions pas passer de journée à notre travail, partout où nous sommes, sans parler de Dieu. Parce que Dieu est à la porte. Toute la Martinique doit savoir que Jésus est à la porte, qu'il revient bientôt. Dieu nous a épargnés, frères et sœurs, et nous disons Amen. Mais c'est pour travailler pour lui. Pour dire à tout le monde combien Jésus est grand, combien qu'il est bon, et tout ce qu'il fait pour nous. Puisse Dieu nous bénir en ce matin et nous aider à proclamer sa parole. Que nous soyons des missionnaires puissants. Ce n'est pas facile, je reconnais. Des fois, nous perdons des occasions. Mais demandons à Dieu de nous donner cette force, de nous donner cette dynamique pour pouvoir parler de Dieu, puisque l'école du sabbat est vitale pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Puisse Dieu nous bénir encore et nous donner cette parole puissante, puisque dans Matthieu 29, versets 18 à 20, il est dit, « Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Alors viendra la fin. Merci. Puisse Dieu nous aider à faire de cette parole toute notre force, que nous ne puissions pas rater cette mission, mais que chaque jour nous puissions parler de Dieu et que notre Église puisse manquer de place tellement il y aura du monde qui va arriver par la suite, puisque nous sommes sur la fin des temps. Mais Amen. Bon sabbat à tous, frères et sœurs, chers amis. Et que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais faire l'interprète de J.A. et je ferai le résumé de leur leçon de l'école du sabbat. L'école du sabbat, la leçon des jeunes, je dirais. Et le titre de cette semaine était « Mort à la loi ». Donc, cette étude, effectivement, cette semaine, s'est axée sur deux chapitres importants que je trouve dans Romains 6, et Romains 7, où nous voyons le chrétien qui est libéré de la loi, et nous voyons aussi dans le chapitre 6, la grâce des livres de l'esclavage du péché. Donc bien sûr, le personnage principal de cette épître, c'est l'apôtre Paul. Et Paul enseigne que par le baptême, nous mourons au péché. Il montre également que les croyants sont morts à la loi et ont été dégagés de la loi. Que peut bien vouloir dire Paul par cette déclaration qui paraît, je dirais, choquante? Avant d'explorer où il veut en venir, il convient de noter ce qu'il ne veut pas dire. Et l'apôtre Paul est clair là-dessus. La loi ne meurt pas. C'est nous qui mourons à la loi. Lorsque nous croyons en Jésus, nous mourons à la loi. Et notre relation avec la loi subit un changement qui est radical. Pour prouver ce point, l'apôtre Paul va utiliser une belle image qu'il illustre par le mariage. Il nous dit « Une femme mariée est liée par la loi
à son mari tant qu'il vit. Lorsqu'il meurt, elle est libre d'épouser un autre homme. Si elle se marie avant la mort de son mari, elle commet bien sûr un adultère. L'illustration de Paul n'est pas une allégorie dans laquelle chaque nuance de l'histoire correspond à quelque autre détail de la vie réelle. Cette approche a donné lieu à de nombreuses interprétations forcées. L'argument de Paul est simple dans cette étude. Il veut dire par là que la mort change notre relation avec la loi, tout comme la mort dégage une femme de la loi du mariage. Ainsi, mourons-nous à la loi par le corps du Christ. En raison de cette condition déchue, il est essentiel de mourir à la loi et d'être dégagé de cette loi. Dans notre chair déchue, la loi, plutôt que de nous aider à réguler nos mauvais comportements, éveille plutôt nos passions de pécheresse. La loi est comme un miroir. En mourant en ce qui concerne la loi, nous pouvons légitimement contracter un nouveau mariage avec Jésus lorsque nous mourons à nous-mêmes. Et en conséquence, porter du fruit pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un problème avec la loi? Nous devons mourir à la loi et être dégagés de la loi. Est-ce dire qu'il y a un problème avec cette loi, avec la parole de Dieu? Certainement pas. Il n'y a pas de problème avec la loi, puisqu'on nous dit que la loi, elle est sainte, juste et bonne. Il entre dans la nature humaine de minimiser nos défauts et nos erreurs. Donc la loi de Dieu surmonte cette tendance naturelle en montrant que le péché est simplement ce qu'il est, c'est-à-dire excessivement pervers. Si nous ne comprenons pas la loi de Dieu, nous devenons aveugles à nos péchés. Paul s'était déjà trouvé dans un tel état. Voici comment il exprime cela. Autrefois, sans la loi, j'étais vivant. L'apôtre veut dire par là qu'il y a eu une époque où il ne comprenait pas la profondeur morale de la loi. Quand le commandement est venu et qu'il a compris la profondeur morale de la loi, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort, c'est-à-dire qu'il a pris conscience que la loi le condamnait à mort. Mais il existe une asymétrie constante. Avant sa conversion, l'apôtre Paul était un pharisien. Il était extrêmement confiant dans la fidélité avec Dieu. Il naquit de la tribu de Benjamin, une tribu particulièrement aimée de Dieu, et fut circoncis le 8e jour de son enfance. Et il fut bien sûr caractérisé par une obéissance à la loi. Selon son propre témoignage, Paul était irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Rien dans son témoignage ne prouve qu'avant le jour où il fut confronté par le Christ, il avait un réel sentiment de faiblesse ou d'échec moral. Après sa conversion, Paul en vint à se considérer comme le pire des pécheurs. Mais notez bien cela, chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, Paul ne dit pas qu'il était le pire des pécheurs. Il dit « Je suis le pire des pécheurs ». Une humble perception de soi est la preuve d'une véritable conversion. Grâce à la conversion, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous jouissons des prémices d'un esprit renouvelé, tandis que l'esprit écrit est la loi de Dieu dans notre esprit. Même si Dieu a renouvelé notre esprit, nous sommes encore prisonniers d'un corps charnel vendu au péché. Ce n'est que lorsque Jésus reviendra et procédera à la rédemption de notre corps qu'il y aura une symétrie totale entre le désir du corps et ceux de l'esprit. À cause de l'asymétrie actuelle que nous vivons aujourd'hui entre l'esprit renouvelé et notre condition déchue, nous serons jusqu'au retour de Jésus toujours confrontés à des désirs corporels incompatibles avec ce que nous savons être la volonté de Dieu.
entre le renouvellement initial de notre esprit par l'esprit et la rédemption de notre corps. Paul nous appelle à mettre à mort les actes du corps avec l'aide de l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous appelons, bien sûr, la sanctification. La sanctification, c'est le processus qui consiste à mettre les actes du corps en harmonie avec le renouvellement de notre esprit. Ainsi donc, nous faisons face aux envies permanentes de notre chair déchue. Parfois, nous sommes victorieux et mettons à mort les envies de notre corps. Lorsque nous échouons, nous devons être d'accord avec la loi en celle qui est bonne et son rôle qui est utile, qui consiste à signaler le péché. Réjouissons-nous de ce que nous vivons par la grâce et renouvelons notre engagement à mettre à mort les actes du corps. Mais il faut également que nous apprenions à nous connaître pour cela. Ellen White nous fait cette citation. Je termine, l'heure est arrivée. Ellen White nous fait cette citation. Plus vous vous approchez de Jésus, plus vous vous rendez compte de vos lacunes, car vos visions spirituelles seront plus claires et vos imperfections offriront un contraste de plus en plus frappant avec la perfection de sa nature. C'est la preuve que les charmes de Satan ont perdu leur puissance et que l'influence vivante de l'Esprit de Dieu vous tire de votre léthargie. Et pour terminer, les Écritures nous recommandent de consacrer à Dieu notre corps, notre âme et notre esprit. Et ceci, nous devons être des collaborateurs avec Dieu. On peut faire beaucoup pour rétablir en l'homme l'image morale de Dieu, pour améliorer la capacité physique, morale et spirituelle. De grands changements peuvent s'opérer dans notre vie de chaque jour. Nous n'avons pas à nous demander ce que Dieu ou ce que le Christ pense de nous, mais ce que Dieu pense du Christ, notre substitut. Vous êtes accepté, cher bien-aimé. Le Seigneur montre à celui qui croit et se repent que le Christ accepte la reddition de l'âme afin de le modeler et de le façonner à l'image de Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à marcher non selon la chair, mais à marcher selon l'Esprit, et que le nom de l'Éternel soit glorifié dans nos vies. Amen. C'était le résumé de l'école du sabbat des jeunes. Merci.
Vous allez bien, bon sabbat. Alors nous avons nous aussi, les adultes, une leçon à étudier dans toute cette semaine qui avait pour titre, mes amis, même sans le mic, on peut parler, on a oublié le titre, je veux croire qu'on a, pas, on a quand même fait la leçon. Le titre était là, défaite des Assyriens. Et comme vous le savez, durant ce trimestre, nous parlons de quel prophète? Ésaïe. Voilà, du prophète Ésaïe. Qui peut me dire que signifie Ésaïe? L'Éternel sauve. Ésaïe, le Seigneur sauve, l'Éternel libère. Cette semaine commence la semaine des J.A., n'est-ce pas? Ils sont pour la plupart en haut, parce que, vu les circonstances, mais ils nous entendent. Vous savez que Ésaïe a été appelé dès l'âge de 20 ans. Quand on nous parle d'Ésaïe, quand il était plus jeune, moi je pensais que c'était un petit vieillard. Mais quand nous étudions la parole de Dieu, nous voyons qu'Ésaïe, dès l'âge de 20 ans, il a reçu l'appel. Ce matin, nous n'allons pas nous attarder sur toute la leçon, vu le temps. Nous allons juste voir deux points, peut-être un, tout dépend du temps. L'intimidation de Judas, et ensuite l'intervention divine. Alors, nous voyons deux peuples, des nations en guerre. Il y a les Assyriens qui avaient comme roi qui est-ce? Alors, Sennacherib. Voilà, c'était le roi des Assyriens. Et il a commencé, on a vu dans cette semaine, qu'il envoyait un haut fonctionnaire pour prendre Jérusalem. Mais il a commencé par intimider. Et voilà, il a dit, tu sais, vous êtes allié à l'Égypte, mais l'Égypte est un allié qui est faible, il n'est pas fiable. Et regardez toute l'armée nombreuse que j'ai avec moi. Et il a dit, sachant qu'Ézéchias, qui était Ézéchias? Qui était Ézéchias? Voilà, le roi de Juda. Sachant qu'Ézéchias était allié à l'Égypte, il a dit, Ézéchias, soi-disant tu es enfant de Dieu, tu es le roi d'une nation qui suit Dieu, pourtant tu t'es détourné de Dieu, tu as cherché quelqu'un pour t'aider qui est l'Égypte. Et ainsi tu as offensé Dieu, par conséquent, Dieu n'est pas avec toi. Et il a dit qu'il va détruire Juda. Face à tout cela, ce discours a eu un impact sur Ézéchias et sur son peuple. Et dans Ésaïe 37, il nous a dit comment réagit Ézéchias. Il a déchiré ses vêtements, il s'est couvert d'un sac et il a envoyé ses fonctionnaires voir Ésaïe, demandant à Ésaïe, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et voici la réponse d'Ésaïe. Ésaïe lui a dit dans Ésaïe 36 ou 37, verset 6, « N'aie pas peur des paroles que tu as entendues, de ces injures que le serviteur du roi d'Assyrie ont proférées contre moi. J'envoie sur lui un souffle
et sur une nouvelle qu'il recevra, il va retourner dans son pays. Est-ce que cela s'est réalisé, frères et sœurs? Oui, il y a une rumeur, un bruit, et on a dit que l'Éthiopie va attaquer les Assyriens. Et voici que Sennacherib s'en va et laisse le Juda. Mais l'affaire n'est pas finie, parce qu'il veut prendre cette contrée, il veut dominer dans tous les pays. Et voilà maintenant qu'il va envoyer une lettre à qui est-ce? À Ézéchias. Il nous dit « Que ton Dieu en qui tu mets ta confiance ne te trompe pas en disant « Jérusalem ne sera pas libre ». Ne sera pas livré au roi d'Assyrie. Il ne veut pas dire tous les versets. Et il dit, les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Il y avait beaucoup de dieux en croyant beaucoup de dieux. Comment a réagi Ézéchias? On se souvient? Il a pris cette lettre, mes amis. Et voilà. Et il a déployé la lettre devant Dieu. Il lut et monta à la maison du Seigneur. Ézéchias déploya la lettre devant Dieu. La première action d'Ézéchias fut de chercher la direction divine. Et c'est une démarche que nous devons mettre en œuvre. Quand nous sommes face aux difficultés, recherchons la présence de Dieu. Et Ésaïe apporta la réponse de l'Éternel des armées, qui est le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. Qui est le seul Dieu, frères et sœurs? C'est l'Éternel des armées. Lorsque Sennacherib, le hautain roi assyrien, proféra des injures et des blasphèmes contre Dieu et menaça Israël de destruction, il s'est adressé à Dieu. Et cette même nuit, à ce même moment, Dieu, qu'on s'attaque à Dieu, Dieu sait se défendre. Nous n'avons pas à défendre Dieu. Dieu sait se défendre et nous avons vu que l'ange de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé au milieu de toute l'armée assyrienne et ce même moment, il y a eu 185 000 soldats qui furent détruits, qui moururent en ce jour. Et voilà que ce roi hautain revient à son pays, la honte au visage, et l'histoire nous dit qu'il fut assassiné quelques jours plus tard par ses propres fils. Frères et sœurs, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ézéchias est un leader spirituel, où il comprend et il a compris que seule la foi, seule l'action miraculeuse de Dieu peut le délivrer de ses difficultés. Seule la puissance de Dieu peut s'occuper de nos ennemis. Nous avons une à craindre. Dieu n'attend qu'une seule chose, nous offrir la liberté. Mais quand Dieu nous offre notre liberté, on doit faire attention à cela. Ézéchias fut un homme spirituel. Mais avec la spiritualité victorieuse vient sans doute une autre montagne, celle du cœur. Non pas celle que les autres mettent sur notre chemin, non pas celle qui est les événements, mais la montagne qui naît de notre propre cœur. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, cette montagne c'est l'orgueil. L'orgueil. Et le succès et la réussite peuvent monter à la tête. On peut utiliser Dieu comme tout ce que je dis, Dieu me donne. Comme dans le cas de Salomon, Ézéchias finira par donner plus de crédit à son succès qu'à sa relation avec Dieu. Puissions-nous, frères et sœurs, maintenir notre relation avec Dieu. Chers jeunes, vous n'êtes pas trop jeunes pour garder et maintenir cette relation avec Dieu. Il ne suffit qu'une chose pour être parfait devant Dieu. Qu'une petite chose, avoir la foi, aussi petite soit-elle, faisons confiance à Dieu, donnons-lui la première place et il sera toujours à nos côtés.
Je vous invite à vous lever pour clôturer l'école du sabbat. Allons prier ensemble. Notre Père qui es aux cieux, nous te louons, te glorifions encore une fois de plus pour ce moment d'étude, de résumé. Merci Seigneur de nous rappeler combien il est important de nous remettre à toi, de marcher selon l'esprit, de te faire confiance et de savoir que tu es au contrôle de toute l'histoire de ce monde également. Aide-nous Seigneur à te rester fidèle à t'aimer de tout notre cœur et dispose notre esprit pour continuer le moment de culte que nous allons t'offrir et que nous soyons édifiés à salut et que nos louanges s'élèvent vers toi et que nos cœurs s'élèvent vers toi et que tu sois exalté et glorifié dès maintenant et à jamais. Nous t'avons prié en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Le département communication vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Veuillez prêter sans plus attendre une oreille attentive aux annonces qui vont suivre. Aujourd'hui, samedi 13 février, émission Les Sentiers du Bonheur. Écoutez et faites écouter la causerie titrée Déguisée, Travestie ou Transfigurée. Cette semaine, fermeture des bureaux. Les bureaux de la fédération seront fermés du 15 au 17 février 2021. Réouverture le jeudi 18 février 2021 à 9h. Samedi 20 février. Cercle d'études de la Bible pour les malentendants de 16h à 17h30 au lieu habituel. Contact au 0596 61 99 99. Nous vous informons que le ministère des besoins spéciaux a depuis peu changer de nom. Il s'agit désormais du ministère adventiste des possibilités. L'accent est mis sur ce que nous pouvons réaliser ensemble pour servir Dieu. Depuis quelques années, en suivant l'exemple du Christ, notre Église s'est organisée pour accompagner les membres d'Église et les amis en situation de handicap. Elle souhaite également accorder une attention spéciale aux enfants vulnérables, aux orphelins, aux veuves et aux veufs. Vous souhaitez vous entretenir avec nous sous ce ministère? N'hésitez pas à nous contacter au 0596 61 99 deux fois ou au 06 96 53 79 03. Session de formation pour les aidants familiaux sur la maladie d'Alzheimer à partir du mois de mars avec la participation de la psychologue Sabine Rosamond. Les places sont limitées. Inscrivez-vous au 0596 61 99 deux fois et au 06 96 53 79 03. Ministère de la Femme. Journée internationale de prière de la femme, le 6 mars 2021. Le support numérique pour la Journée internationale de la prière de la femme est disponible. Ceux qui ne l'ont pas reçu pourront s'adresser au secrétariat du ministère de la Femme au 0596 61 99 99. Publication ministère personnel communication. Nous vous encourageons, dans cette période de pandémie, à ne pas baisser les bras et à distribuer sans modération la revue Priorité. Quelques idées pour une bonne distribution. Premièrement, veillez à ce que chaque famille, inscrite ou pas sur le registre d'église, reçoive sa revue. Affichez la revue Priorité sur le tableau d'affichage. Veillez à ce que tous les étudiants, ainsi que les personnes absentes et hors du département, reçoivent leur revue. Faites en sorte que chaque membre d'église puisse abonner au moins 7 personnes, amis, collègues, voisins, connaissances, etc., à la revue Priorité. Prendre 5 à 10 minutes
pour présenter à l'Église la revue du mois. Éducation. Cité scolaire adventiste Rama, communiqué sur les inscriptions de la rentrée 2021. Alors, vous retrouverez de plus amples informations concernant l'inscription à la cité scolaire adventiste Rama sur le tableau d'affichage juste à l'extérieur près des toilettes. Annonce locale. Camp bivouac. Tous les éclaireurs inscrits au camp bivouac sont attendus ce soir à 19h à Horeb pour prendre le bus. Départ de la marche nocturne de Lens Spourtourne à Trinité jusqu'à Lens Bertrand, puis ensuite le bivouac. Le retour est prévu à Horeb le dimanche 14 février à 13h30. Nous comptons sur vos prières pour accompagner les encadrants et les éclaireurs. Département Réveil et Réforme. Le samedi 20 février de 19h à 21h, nous aurons un moment spécial d'intercession à Horeb. Faisons des plans dès maintenant pour être tous présents à ce moment spécial. Plus de prières, plus de puissance. Pour s'inscrire, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en se rapprochant de la responsable Réveil et Réforme, la sœur Suzanne Bajol, ou par le lien d'inscription qui vous sera communiqué durant la semaine par WhatsApp. Département École du Sabbat. Le responsable de l'École du Sabbat nous informe que les factures de nos manuels d'études 2021 seront disponibles à partir de ce lundi 22 février. Prions pour ceux qui ont besoin de notre soutien dans la prière. La liste de tous les membres est affichée sur le tableau des annonces à l'extérieur. Pour compléter ou amender la liste de soutien dans la prière, veuillez contacter l'équipe pastorale. La permanence sanitaire est assurée aujourd'hui par les sœurs Rosemary Anderson et Katie Prudent. Pensez à méditer. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Cette pensée est tirée de Tite 3 au verset 5. Le ministère des Communications vous remercie de votre attention. Gardons notre attitude révérencieuse pour la suite du programme. Bon sabbat à tous. Dieu a une armée qui se lève. Amen. Levons-nous et glorifions notre Dieu en ce matin.
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. C'est l'Esprit de Dieu. Père céleste, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous accordes dans cet instant d'être dans ta maison. Et nous voulons évoquer le nom de ton Saint-Esprit, afin que nous soyons disposés de cœur et d'esprit à recevoir ton enseignement. Merci de bénir ton assemblée. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Appel à l'adoration. Car ta beauté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Dans mon âme, un beau soleil. Il fait beau dehors, beau dans le ciel, beau sur la terre, beau dans notre âme bien-aimée. Oh, quel beau soleil, dans mon âme. Yeah.
avant de nous prosterner, entonner, nous nous prosternons devant toi, Seigneur. Et notre Dieu, nos cœurs sont remplis d'exaltation. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que tu sois si bon envers chacun d'entre nous. Nous te remercions premièrement parce que tu nous as créés. Tu es rempli de force et saint de puissance. Éternel, gloire à ton nom. Éternel, nous te demandons au nom de Jésus, de ce que tu puisses nous oindre, Seigneur, de ta sagesse. Dispose nos cœurs, notre intelligence, à te recevoir, à t'accueillir dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à toujours regarder à toi et ne pas accomplir notre volonté, mais être toujours disposé à accomplir ta volonté, Seigneur. Éternel, nous te disons merci. Merci d'être présent ici, dans ta demeure, et nous voulons joindre, Seigneur, tous nos amis qui nous suivent par le bien d'Internet, puisses-tu les bénir à leur endroit. Merci de bénir chaque famille de ton Église ici représentée, où que soient tes enfants. Papa, nous te demandons d'accompagner au cours de cette journée nos aînés, nos plus jeunes, les JA qui sont mis à l'honneur, ainsi que chacun des membres de ton Église. Papa, nous voulons te dire merci également du soutien que tu nous apportes. Nous savons ne pas être dignes de nous présenter devant ta face, mais c'est par les mérites de ton Fils Jésus-Christ que nous venons. Et nous te disons merci pour ce don merveilleux. Éternel, alors que tu nous reçois dans ta présence, nous te remercions de ce que tu nous permettes d'apporter ici dans ta demeure les dîmes ainsi que les offrandes. Merci de bénir chacun. Merci de permettre à tout un chacun, Seigneur, de faire ce don qui te revient de droit. Que tu puisses aider ceux qui ne peuvent pas le faire. Accompagne-nous, Seigneur Jésus, dans cette démarche. Alors que nous nous apprêtons, Seigneur, à suivre, à écouter ton enseignement ce matin, nous te prions de ce que tu puisses bénir Cassandra ainsi qu'Alexandre qui auront la charge de nous dispenser ton pain de vie. Que leurs propos viennent directement de toi, qu'ils soient loin de ton Saint-Esprit. Père éternel, merci de nous réunir dans un seul esprit. Nous t'en prions en Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Thank you.
Service de fidélité. Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de choses et de grâces, afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous en avez en abondance. Amen. Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à tous les enfants qui sont dans la salle ainsi qu'à tous les enfants qui nous regardent par le biais du net. Alors aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire de Matthieu. Matthieu est encore bouleversé par sa découverte. Il vient de découvrir qu'il a droit à l'erreur parce que son père a prévu une solution. Mais il ne peut s'empêcher de se poser des questions. Il se demande, est-ce que leur relation va changer ? Peut-être que son père sera déçu malgré tout, ou encore, est-ce qu'il va continuer à l'aimer? Lorsque quelqu'un nous fait de la peine, nous lui pardonnons, mais c'est plus... Lorsque quelqu'un nous fait de la peine, nous lui pardonnons, mais ce n'est plus comme avant, parce qu'on a du mal à lui faire confiance. Ou alors, lorsqu'on a blessé quelqu'un, et c'est quelqu'un qu'on aime, on essaie de se faire pardonner en étant gentil, en faisant des câlins, en lui rendant service.
Mais nous ne devons pas oublier que la maison du Père est là, elle ne disparaît pas. Il ne change pas et son amour envers nous reste le même. Son amour est inconditionnel et dure toujours, quoi que nous ayons fait de bien ou de mal. Il est toujours là pour renouer le contact avec nous. Matthieu se rend compte qu'il n'a pas à avoir peur. Il n'a pas besoin non plus de faire le gentil pour que son père l'accepte comme avant. Il lui pardonnera parce qu'il a décidé de le faire. Il a décidé d'aimer Matthieu jusqu'au bout, malgré tout. Maintenant, la balle est dans le corps de Matthieu. C'est à lui de décider s'il va continuer d'aimer son père et s'il va continuer de lui faire confiance. Matthieu a réalisé que son père a tout fait pour l'avoir à ses côtés. Il a voulu le faire sortir de son trou dans lequel il se trouvait pour lui permettre de se développer. Et s'il a fait tout cela, ce n'est pas pour l'abandonner au moindre faux pas. Il est décidé, lui aussi, à toujours aimer et faire confiance à son père. Dieu avait promis à son peuple dans 2 Chroniques 7, verset 14, que s'ils revenaient à lui de tout leur cœur, même après qu'ils se soient éloignés de lui pendant de nombreuses années, ils lui pardonneraient. Lorsque le peuple d'Israël se souvenait que Dieu pardonnait, il revenait à lui. De la même façon, chers enfants, nous pouvons avoir confiance que Dieu tiendra sa promesse de nous accepter quand nous nous tournons vers lui. Il nous invite à venir lui demander pardon, puisqu'il dit « Venez et discutons ». N'ayons aucune crainte, n'ayons aucun doute. Je vous invite à prier avec moi. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Tu ne te détournes pas de nous quand nous nous éloignons de toi. Aide-moi à ne jamais douter de toi ou avoir peur de venir vers toi. Merci beaucoup et rendez-vous sabbat prochain pour connaître la suite de l'histoire de Matthieu. Verset 1 nous dit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Que l'Éternel reçoit l'adoration. »
Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Couvre-moi.
suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul. En Jésus seul. Et je peux te suivre. Conduis-moi. Conduis-moi. Et j'irai là où tu me conduiras. Écoutons maintenant ce message chanté que nous porterons Katie et Sergio. Conduis-moi et j'irai.
Français, j'irai. Aujourd'hui, êtes-vous prêt pour la course de votre vie? Le top départ débute dans quelques minutes. L'adrénaline monte et le cœur commence à battre de plus en plus vite. Nous sommes dans une totale concentration. On se place sur les starting blocks et en quelques secondes, on entend à vos marques et le pistolet de départ. Nous voilà en plein élan. Durant ces instants, que peut-il se passer? Que peut-on se remémorer? Ou peut-être nous faisons le vide? Mais n'oublions pas, nous sommes dans la course de notre vie. Nous avons décidé de dire oui au Seigneur, peu importe les embûches, peu importe les doutes, peu importe les événements.
J'ai confiance en toi, Seigneur. Durant les entraînements, plusieurs personnes ont été des inspirations. Pour nous, que par les paroles, les attitudes, la façon de voir la vie. L'impact d'une personne est déjà énorme. Des fois même, elle nous insuffle indirectement ce que nous souhaitons devenir. Mais aujourd'hui, nous sommes les exemples pour tout, pour tous, pour les plus petits, les plus grands et les plus âgés. Beaucoup de pression, me direz-vous. Durant cette semaine, nous décortiquerons comment nous pouvons passer de la peur à l'engagement, à l'échec, puis à la victoire. Chers enfants, chers jeunes, chers adultes, aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle course pour toi. Je te souhaite la bienvenue sur la piste de la course de la vie. Que le Seigneur te guide et tu pourras dire haut et fort, I will go. Vous pouvez le dire avec moi, I will go. J'irai. J'irai. Nous avons le plaisir en ce matin d'écouter avec attention Cassandra et Alexandre. Bonne écoute. Avant d'écouter nos bien-aimés, j'invite l'Assemblée à se lever, s'il vous plaît. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous partons dans le livre d'Ésaïe, vers chapitre 41, au verset 10. L'Éternel nous dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Je te soutiens de ma droite triomphante. Puisse l'Éternel bénir sa parole dans notre cœur. Amen. Bonjour à tous. Bonjour Cassandra. La jeunesse est fière de vous présenter le sermon d'aujourd'hui, qui s'intitule « Un tout-puissant secours ». Notre texte de base se trouve dans Exode 3, verset 4, qui nous dit « L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu des buissons et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici ». L'histoire de la vie de Moïse est édifiante à plus d'un titre. Tout d'abord, le contexte de sa naissance. Le pharaon d'Égypte fit passer au fil de l'épée tout enfant israélite de sexe masculin qui naissait. Ceci afin de poursuivre sa stratégie diabolique de régulation des naissances et d'éviter ainsi toute rébellion possible. Mais Moïse y survécut. Ensuite, son adoption par la fille du pharaon, son évolution au sein du palais royal, où il reçut une éducation égyptienne. Ses études brillantes dans les plus prestigieuses universités lui ont ouvert des portes du savoir, sciences physiques, mathématiques et bien d'autres matières. Quasiment arrivé au sommet de la pyramide du pouvoir, l'avenir de Moïse était tout tracé. Il était devenu un Égyptien à part entière. Cependant, la vie de Moïse bascula quand sa vraie identité fut révélée. Son origine juive, le nom de ses parents, le nom de ses frères et sœurs, son ancrage culturel, religieux et l'histoire de son peuple. En pleine réflexion et luttant contre les contradictions d'une éducation à la fois juive et égyptienne, Moïse prit soudain conscience qu'il fallut faire un choix. Et Moïse choisit la lignée juive. Toutefois, dans ce qui, dans l'histoire passionnante de Moïse, me semble le plus édifiante, est sa rencontre avec Dieu. C'est à partir de cette rencontre personnelle avec Dieu que sa vie va changer et que sa mission lui sera confiée. Il ne verra désormais le monde qu'au travers d'un regard divin.
Il y a au moins trois leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Moïse, n'est-ce pas, Alexandre? C'est exact. La première est que Dieu veille sur notre destinée. En dépit de la situation dans laquelle se trouve le monde, dans lequel nous prenons naissance, Dieu veille toujours sur notre destinée. Moïse ne savait pas, n'était pas conscient, couché au fond de son panier en osier, du danger qui l'environnait, ni du sort cruel qui l'attendait, mais Dieu veillait. Moïse n'était pas non plus conscient du nombre de prières que ses parents faisaient monter au ciel pour que sa vie ne lui soit pas ôtée, mais Dieu veillait. Moïse ne savait pas que son petit panier d'osier le dirigeait tout droit vers les portes du palais royal de l'oppresseur de son peuple, où contre toute attente, il recevrait la délivrance. Mais Dieu veillait encore. Moïse croquait à pleines dents les plaisirs raffinés de la vie égyptienne. Il jouissait des mondanités de l'Égypte. Et Dieu veillait encore à cet instant. Et je peux vous le dire, ce matin, Dieu veille encore sur nous. Une amie m'a récemment envoyé une pensée qui m'a rappelé combien notre Dieu est bon et combien il veille sur nous. Et j'aimerais la partager avec vous en ce matin. Donc cette histoire se passe dans une forêt. C'est l'histoire d'une petite antilope qui est enceinte. Elle cherche un endroit propice pour mettre bas et donner naissance à son petit. La région auprès d'une rivière trouvée sera jugée sûre, confortable, et elle va donc commencer à avoir les douleurs de l'accouchement. Au même moment, un nuage sombre, annonciateur d'orage, va couvrir le ciel et la gerbe d'éclairs va illuminer la nature, déclenchant alors un incendie dans la forêt. Quand l'antilope va se tourner à droite, elle va apercevoir un chasseur, rampant, armé d'une flèche pointant vers elle. Quand elle tourne la tête à gauche, elle voit un lion, affamé, prêt à bondir sur elle. Devant elle, cette rivière dont le lit sombre présage de sa profondeur insondable. Que faire? L'antilope souffre des douleurs de la mise bas. Va-t-elle donner naissance à la petite antilope? La petite antilope survivra-t-elle? Le feu les consumera-t-il? Ou mourra-t-elle de la flèche du chasseur? Le lion les découpera-t-il en morceaux? Le feu, le lion, le chasseur, la rivière entourait l'antilope qui se voyait prise au piège de cette douleur qui consiste à donner vie à la vie. Que va-t-elle faire? Elle va décider de se concentrer sur son objectif qui est de donner naissance à son petit, car elle ne contrôle aucun de ses ennemis extérieurs. Ce qui va se passer ensuite va en surprendre plus d'un. La foudre frappe, illumine, éblouit le chasseur, qui va tirer sa flèche, la rater et atteindre le lion qui perdra la vie. Au même moment, une pluie torrentielle va se déclencher dans la forêt, ce qui va éteindre complètement le feu. Ainsi, l'antilope donne naissance à son petit, sain et sauf. Dans la vie, nous sommes souvent confrontés à de nombreuses difficultés qui confondent notre esprit, génèrent en nous des pensées négatives et parfois parviennent à nous paraître comme des impossibilités insurmontables. Elles vont aller jusqu'à nous dépasser, nous déstabiliser et nous submerger. Nous devrions alors apprendre de l'antilope, n'est-ce pas? Souvenons-nous que la seule chose que l'antilope a jugé bon à faire, c'était de donner naissance à son petit. Le reste ne révélait pas cette capacité de puissance et de son pouvoir. Toute action ou réaction déplacée et de sa part aurait entraîné mort ou un désastre. En toute chose, demandez-vous où est l'objectif? Où sont votre foi et votre espoir? Au milieu de la tempête, concentrez-vous toujours sur votre objectif et gardez la foi en Dieu. Il ne vous abandonnera jamais ni ne vous laissera jamais tomber. Une personne qui se fortifie en Dieu reste concentrée, même en ayant les larmes aux yeux. Elle garde toujours le sourire. Rappelons-nous que notre Dieu veille. Il est notre tout-puissant secours. Chers jeunes, toi et moi, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Le monde d'avant n'est pas meilleur que celui d'aujourd'hui. Bien au contraire, la pandémie du Covid-19 qui sévit avec son cortège funèbre de mort nous rappelle à bien des égards
que nous n'avons pas la main sur notre destinée. Nous réalisons pleinement que nous n'avons aucune maîtrise sur notre destinée. Lorsque du jour au lendemain, un de nos parents perd son emploi à cause de la situation économique et n'est pas par conséquent en mesure de payer les études ou de financer le permis, la PS5 et bien d'autres. Toutefois, à l'instar de Moïse, rappelons que Dieu veille sur notre destinée. Nous ne sommes pas toujours conscients des dangers auxquels nous faisons face et qui pourraient porter atteinte à notre intégrité physique, mentale et spirituelle. Mais rappelons-nous que notre Dieu veille. C'est lui qui nous dit en ce matin, « Ne crains rien, Geoffrey, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, toi qui nous regardes en direct. Car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, verset 10. La deuxième leçon que nous pourrions tirer de la vie de Moïse est que nous devons connaître notre véritable identité. Moïse a pu croire qu'il était le fils du Pharaon. Moïse a pu croire qu'en dehors de sa famille et ses amis, l'Égypte et de l'Égypte se limitait au cercle fermé de l'élite égyptienne. Moïse a pu croire qu'en dehors de l'Égypte et de ses dieux, il n'existait aucune entité créatrice. Moïse a aussi pu croire que le monde se scindait en deux, les forts face aux faibles, les pauvres contre les riches, les dominés face aux dominateurs, les savants contre les ignorants, les maîtres avec leurs esclaves. Il a pourtant réalisé que ce en quoi il voyait une foi aveugle n'était pas la réalité. Il s'était lui-même fourvoyé en absorbant, telle une éponge sèche, les informations qu'il avait reçues de l'oppresseur égyptien. La question que nous devrions nous poser est la suivante. Comment connaître notre vraie identité lorsque celle-ci est définie par celui ou celle qui nous est alignée? Notre identité n'est pas définie par la religion, par la culture, par l'art ou la philosophie. Elle ne s'arrête pas à au nombre de zéros sur notre compte bancaire, ni à notre statut social, au type de personne que nous fréquentons, aux habits que nous portons. Notre identité est définie en Dieu lui-même. Notre identité se définit dans les paroles, les leçons que nous aurons issues de la Bible, la parole de Dieu, car c'est lui le Créateur. Moïse a trouvé sa véritable identité en se détournant de l'Égypte et se tournant vers Dieu. Et David témoigne à sa manière, dans Psaume 139, versets 13 à 14, que son identité est en Dieu. Lisons ensemble. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Nous ne sommes pas définis par ce qui est écrit sur notre passeport. Notre identité ne s'arrête pas à ce qui est écrit sur notre carte d'identité. Nous ne sommes pas n'importe qui et notre identité va bien au-delà de cela. L'apôtre Pierre fait même référence à ce dont l'identité est résidée en Christ lui-même, en déclamant dans 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. La troisième leçon que nous pourrions tirer de la vie de Moïse est que nous devons avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Mais dis-nous en plus, Alexandre. S'il est vrai que durant sa plus tendre enfance, Moïse avait reçu une éducation religieuse basée sur ses croyances juives de ses parents. Il n'avait pas pour autant rencontré personnellement Dieu. Moïse avait certainement appris la Torah. Il connaissait aussi les berceuses et d'autres chansons, en lien avec l'expérience religieuse, spirituelle de son peuple. Disons-le clairement,
Moïse a passé toute première année de sa vie dans un foyer où on adorait Yahweh. Cependant, Moïse n'avait pas encore fait la rencontre personnelle avec Dieu. Sa foi n'était qu'une foi en pointerie. Sa foi n'était pas la sienne. C'était celle de ses parents et celle de son peuple. Tout comme Moïse, nous sommes peut-être trop nombreux en tant que jeunes adventistes à avoir adopté une foi de substitution. Celle de nos parents, celle des pasteurs, celle de l'Église, certes, mais pas la nôtre. D'ailleurs, les études révèlent qu'à la majorité des jeunes qui laissent l'Église, cela est dû au fait qu'ils n'ont pas d'expérience avec Dieu et qu'ils n'ont pas fait de rencontre personnelle avec leur Sauveur. En fait, grandir dans une famille adventiste, c'est bien. Célébrer le sabbat, c'est bien aussi. Mais la foi ne s'affermit pas. La foi s'affermit que par la rencontre personnelle avec Dieu ou l'expérience faite avec Christ au quotidien. La rencontre de Moïse avec Dieu a changé sa vie et ses projets, ce qui lui a permis de réorienter ses choix. Il a pu, grâce à sa rencontre personnelle avec Dieu, découvrir sa vraie identité, connaître sa destinée et celle de son peuple aussi. Le message biblique, de la Genèse à l'Apocalypse, est essentiellement basé sur la rencontre personnelle de l'homme avec Dieu. On le voit même quand, après qu'Adam et Ève aient péché, Dieu va à leur rencontre. Dans Genèse 3, verset 9, il est dit « Adam, où es-tu ?» Dieu va à la rencontre de l'homme en frappant à la porte de son cœur. On peut le lire dans Apocalypse 3, verset 20, qui nous dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. » Et lui avec moi. Dieu veut encore en ce matin nous rencontrer. Dieu veut te rencontrer. Il désire, tout comme ce fut le cas pour Moïse, réaliser le plan qu'il a pour nous. Que nous soyons en Égypte ou dans le désert de Paran, notre Dieu marquera, la rencontre avec notre Dieu marquera une étape importante, cruciale et décisive dans la direction qu'il donnera à notre vie. Alexandre, sais-tu comment nous pouvons vivre au quotidien cette rencontre personnelle? Oui, grâce à l'application Vigile Plus. En effet, nous pouvons télécharger cette application afin que quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous puissions partager avec Dieu un moment de qualité, un moment privilégié afin de renforcer notre relation avec lui dans un tête-à-tête et un cœur-à-cœur. J'aimerais en ce matin vous rappeler que notre Dieu désire, en ce sabbat, nous rappeler que notre destinée est entre ses mains. Notre Dieu désire, en ce matin, nous rappeler que notre destinée est entre ses mains. Nous n'avons pas à craindre des dangers qui nous entourent. Restons concentrés sur l'objectif de missionnaire qu'il nous a donné et qu'il nous a laissé dans Matthieu 28, versets 19 à 20, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre Dieu désire nous rappeler aussi en ce sabbat que notre vraie identité se trouve en lui. Ce n'est pas le regard humain porté sur moi qui détermine qui je suis, mais le regard bienveillant que Dieu me montre, notamment quand il me dit « Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime d'un amour éternel. Tu es une créature merveilleuse. » Notre Dieu désire enfin nous rappeler en ce matin que c'est dans l'intimité de la relation que nous avons avec lui au quotidien que nous pourrons donner un véritable sens à notre vie. C'est aussi dans cette rencontre particulière, qu'il nous révèle sa volonté et nous montre la voie à suivre. Rappelons-nous aujourd'hui que Dieu lui revient. Disons-le et vivons-le.
Nous avons un Sauveur tout-puissant, n'est-ce pas? Il nous promet de déplacer les montagnes si nous avons froid en lui. Notre Sauveur nous sauve avec puissance. Besoin. Il sauve avec puissance.
nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. C'était pour moi, je serais resté toute la journée ici, hein, en train de louer le Seigneur. Mettre une bonne chaise en effet. Mais nous restons encore dans le sabbat. Nous prions pour la bénédiction. Notre Père qui es aux cieux, à toi la louange, l'honneur, la gloire. Merci Seigneur pour ce bon sabbat que tu nous as permis encore de passer ensemble, en fraternité chrétienne, avec nos frères et sœurs, nos amis, nos chers internautes. Que toute la louange soit rendue, Seigneur, pour tous ces moments de louange, d'étude de ta parole, et que cette parole puisse nous façonner et que nous puissions passer à la pratique chaque jour et te louer et te rendre grâce et gloire. Merci Seigneur de nous fortifier dans le bon nom de Jésus et de nous affermir dans la vérité. Merci Seigneur de l'avoir accompagné avec nos jeunes de cette église, que tu puisses encore continuer à les bénir, à les fortifier et que leur foi puisse grandir encore et encore et être des serviteurs fidèles et dévoués pour ton service. Gloire à toi, louange à toi, notre Dieu, pour ton amour infini et ta miséricorde. Il vous salue en Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, accorde-nous ta bénédiction toute spéciale en cet instant et renvoie-nous avec ta paix et ta grâce et que nos cœurs puissent s'élever vers toi tout le long de ce sabbat. Nous t'avons prié en Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Le thème, comme nous l'avons vu, c'est un tout-puissant secours que vous pouvez voir sur YouTube avec la l'UAGF, donc c'est la jeunesse
qui fait son emphase spirituel durant cette semaine et la clôture se fera le 20 février 2021 ici à l'église avec nos jeunes. Je sais.